Bonsoir et bienvenue à cette séance du 17 août 2020. Alors, avant même de procéder à l'ouverture de l'Assemblée, ben, peut-être faire un petit coup d'œil du côté de Outre-mer, du côté de Beyrouth, alors que le 4 août dernier, il y avait une explosion du côté du port. Donc, ça se passe au Liban, mais c'est aussi une préoccupation qu'on doit avoir, tous et chacun, tous et chacune également. Lorsqu'on a une charge publique, de l'imputabilité qu'on a dans les décisions qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Alors, ce soir, nos pensées sont vers les familles qui ont vécu ce drame-là du côté de Beyrouth, au Liban. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de la séance avec les particularités des séances qu'on tient depuis un certain temps. Alors, peut-être, avant d'avoir la proposition, M. Vincent, nous exprimer en quoi consistent les séances qu'on tient depuis mars dernier. Oui, en fait, là, depuis la pandémie là, de la COVID, là, il est permis au conseil municipal de tenir ses séances à distance sans la présence du public. Donc, c'est toujours le cas ici pour la ville d'Amqui. Donc, en vertu de l'arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la, du ministre de la Santé, ben en fait, on peut tenir les rencontres à distance, donc par vidéoconférence. Les citoyens sont invités à y participer également, là, à nous rejoindre. D'accord. Alors, dans ce contexte particulier d'ouverture de séance, est-ce que j'ai une proposition? Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Alors, vous avez également reçu pour la séance de ce soir l'ordre du jour. Est-ce que j'ai une proposition pour en faire son adoption? Donc, j'ai entendu M. Normand proposition et Mme Sylvie en appui. Merci. J'aurais peut-être juste une mention à faire. Là, en fait, il y a des affaires nouvelles qui se sont ajoutées depuis le dépôt de l'ordre du jour. Donc, peut-être les préciser là, pour les citoyens. D'accord. On remonte à l'ordre du jour qui a été distribué vendredi. Vous avez raison. Nous, on a eu une version aujourd'hui, mais par rapport à celle de vendredi en affaires nouvelles, il faudrait ajouter un mandat à la firme d'avocats BSL pour le dossier des équipements de déneigement du camion d'Iro. Donc, on serait en 14.1. Et en 14.2, reconstruction du garage municipal, certificat de paiement numéro 2 pour les constructions Réjean Madar pour acceptation. C'est bien ça, M. Vincent, les deux ajouts? Oui, tout à fait. Alors, aux proposeurs et appuyeurs, est-ce que vous êtes d'accord pour maintenir votre proposition avec l'ajout de ces deux éléments? Pas de problème. Merci à vous deux. On est à ce moment-ci au point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet. Donc, vous avez reçu par voie électronique ce procès-verbal-là. Est-ce qu'il est conforme aux discussions tenues? Si oui, je vais prendre une proposition pour en faire son adoption. Je vais le proposer, moi, M. le maire. Madame Sylvie propose et vous êtes appuyée par? J'appuie, M. le maire. M. Richard, merci. Donc, bien qu'on soit en format web pour nos séances publiques, on a toujours l'opportunité d'avoir des périodes de questions. Donc, au point 4, période de questions et commentaires de citoyens, dans un premier temps pour les dérogations mineures. Monsieur Vincent, est-ce qu'on a eu des demandes de citoyens, soit par voie écrite ou des citoyens qui manifestaient l'intention de participer à notre séance? Bon, en fait, là, il y avait deux demandes de dérogation mineure pour le 12 rue des Ateliers, puis le 19 rue des Mélèzes, puis aucun citoyen s'est manifesté là, son droit de s'exprimer envers le conseil municipal. D'accord. Et à ce moment-ci de la rencontre, tout autre sujet, est-ce qu'on a eu des questions ou des commentaires écrits et où est-ce qu'il y a des gens qui ont manifesté l'intérêt de participer par voie électronique? Je vous confirme là, que non, il n'y a eu aucun citoyen qui s'est manifesté ou qui est présent avec nous ce soir. Alors, dans ce cas, ça mettrait fin au point 4 de notre ordre du jour. Nous amènerait au point 5, correspondance au 14 août. Donc, vous avez pris connaissance des correspondances reçues.
Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires en regard de ces correspondances? Ça va? Je vous amènerai au point 6, administration générale et gestion financière, en point 6.1, liste des comptes au 31 juillet 2020 pour approbation. Monsieur Michael, est-ce que vous voulez nous en faire une présentation? Oui, je vais vous en faire une présentation, Samar. Donc, pour ce mois-ci, on a une liste de comptes totalisant 799 536,72. Donc, comme vous pouvez le voir, là, à la première page qui est le sommaire, on a des chèques émis en juillet 2020 pour un montant de 296 483. On a également des prélèvements pour 136 298. On a des paies qui ont été versées en juillet pour 129 000. Ensuite de ça, on a des frais de service, frais bancaires et frais de service mensuels pour environ 800 $. Puis, on a des comptes à payer pour 236 974. Ça, c'était des comptes à payer en date du 31 juillet 2020. Donc, c'est des comptes qui vont être payés après cette séance-ci. Donc, c'est ça le total de 799 536,72. Vous avez dans les pages plus loin le détail de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir d'y répondre. Puis c'est ça, la liste a été validée également par la conseillère. Donc, on pourra peut-être dire un petit mot s'il y avait des particularités à soulever. Effectivement, merci pour cette présentation sommaire, M. Michael. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, je vais céder la parole à Mme Sylvie qui en a fait la vérification. Alors, ça va du côté des autres élus. Alors oui, Mme Sylvie. Ben, c'est ça, je suis passée à l'hôtel de ville le 6 août pour faire la vérification de tous les comptes. Et tout était conforme. J'ai reçu réponse à mes questions, puis tout, je peux confirmer que tout est correct. Est-ce que vous en faites? J'en fais donc la proposition pour le grand total de 799 536,72. Merci, Mme Sylvie. Vous êtes appuyée par? J'appuie. Monsieur Michel, merci. On ira au point 6.2, paiement des honoraires professionnels à Celt Walsh pour la réclamation de construction LFG Inc., donc autorisation de paiement. Monsieur Vincent. Oui, en fait, là, il y a quelques semaines de ça, là, vous aviez donné un mandat à la firme CETL Walsh pour son expertise dans le cadre du litige qui nous oppose à l'entreprise Construction LFG. Ici, là, c'est un premier déboursé là, de ce professionnel ingénieur pour nous aider là, à bâtir l'expertise dans le cadre du dossier qui est à la cour. Donc, au montant de 5 610,78 là, pour un premier montant là, pour son expertise préliminaire là, qui a été déposée. Il y a des questions, des commentaires en regard de cette demande d'autorisation de paiement. Sinon, je vais prendre une proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. J'ai proposé et j'avais quelqu'un qui avait appuyé. Oui, M. le maire. M. Richard, merci. On irait en 6.3, travaux de pavage 2019 réalisés par les pavages des Monts Inc., réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle pour acceptation. C'est vous à nouveau, M. Vincent? Oui, en fait, là, les travaux de pavage ont été terminés le 11 juillet 2019. On se souvient là, que ça visait les rues Suzor-Côté, Blanchet puis Desbiens. Dans le certificat de réception définitive des ouvrages, il y a une réserve des professionnels qui concerne là, des malfaçons des ouvrages inachevés pour un montant de 204,66 que la ville d'Amqui va elle-même assumer. Donc, pour ces raisons-là, il vous est recommandé d'accepter la réception définitive des ouvrages, mais de libérer partiellement la retenue contractuelle de 5% pour un montant total de 8 767,12 taxes incluses à être versées à l'épavage des Monts Inc., puis d'autoriser le directeur du service des travaux publics, M. Stéphane Chiasson, à signer pour et au nom de la ville le certificat de réception définitive.
Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires à ce sujet? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose, M. le maire. M. Gide, vous êtes prêt à en faire la proposition et vous êtes appuyé par? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Normand, merci. Donc, on sera au point 6.4, demande des résidents de la Presqu'île aux 80, versement de la compensation financière en vertu du règlement numéro 646-07 pour autorisation. Monsieur Vincent Nouveau ou Monsieur Michael? Oui, peut-être laisser Monsieur Côté là, présenter okay. Là, cette demande-là. Votre micro, Monsieur Michael. Merci. Donc oui, c'est comme à l'habitude, comme à chaque année. Donc cette année, le secteur de l'île au Presque-Vent, du règlement 646-07, font une demande de compensation. La demande, en fait, là, le formulaire qui nous a été déposé, c'était pour des travaux qui sont budgétés à un montant de 3 000 $ pour l'exercice 2020. Cependant, les revenus générés par la taxation foncière totalisent 2485 %, c'est-à-dire 20 % de ces revenus-là, totalisent 2485 $. Donc, le montant maximal qu'ils peuvent avoir pour la compensation pour l'exercice 2020 est de ce montant-là, 2485 $. Conformément au règlement en vigueur, ce qui est proposé, ce qui vous est proposé, c'est de verser 90 % du montant. Donc, c'est-à-dire un montant de 2236,50. Et il y a quand même deux propositions et que dans la mesure où les documents sont reçus correctement du côté du trésorier, bien, ce soir, on procéderait également là, à versement du 10 % manquant conditionnel à la réception des documents. Donc, on n'aura pas besoin de revenir avec une nouvelle proposition. C'est bien ça, M. Michael? Oui, c'est exact. Donc, à ce moment-là, c'est le montant 248,50 qui sera versé là, sur présentation des pièces justificatives. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires au regard de cette recommandation de paiement? S'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer. Madame Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyée par… Je vais l'appuyer, M. le maire. Ah, j'avais vu la main de M. Michel. Je vais y aller avec M. Michel. Le respect pour vous, M. G. L'image a été plus vite que le son dans ce cas-ci. Faudrait se faire une idée, ouais, si c'est l'image ou si c'est le son. Ah, ça va, c'est à la discrétion du maire, M. Gilles. Vous me permettez. OK. C'est beau. C'est beau. Merci. Merci de votre indulgence. On ira au point 7 en ressources humaines. Donc, 7.1, confirmation d'embauche de M. Éric Thibodeau au poste de préposé aux loisirs saisonnier estival. 15 semaines, M. Jonathan. Oui, donc nous avons rencontré M. Thibodeau, Mme Marie-Pierre Morin et moi. M. Thibodeau, il détient toutes les aptitudes et les compétences pour occuper les fonctions. Donc, nous recommandons de confirmer l'embauche de M. Éric Thibodeau au poste de préposé aux loisirs saisonnier estival pour 15 semaines. M. Thibodeau a débuté l'emploi le 10 août. Donc, c'est pour une confirmation d'embauche avec vous ce soir. Commentaire en regard de cette recommandation d'embauche. Sinon, je vais prendre une proposition. On fait une proposition, M. le maire. M. Richard, appuyé de M. Michel. Oui. Merci. En fait, point 2, confirmation de l'attribution du poste de préposé aux loisirs à M. André Jonca. C'est à vous à nouveau, M. Jonathan. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour le remplacement d'un employé qui nous a quittés. M. André Jonca était déjà employé avec nous. Il était sur la liste de rappel et était aussi à être préposé. Donc, M. André Jonca s'est porté de l'avant pour pouvoir prendre le poste. Donc, nous recommandons de confirmer l'attribution du poste de préposé aux loisirs permanent, temps plein, annuel. M. André Jonca, et ce en date du 10 août 2020, donc M. Jonca répond aux exigences du poste depuis déjà une année. Merci, M. Jonathan. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais faire la proposition. Madame Sarah, vous proposez et vous êtes appuyée par… Je vais l'appuyer. Madame Sylvie. Oui.
Merci beaucoup. Dans ce cas-ci, j'avais, j'ai eu un délai entre le son et l'image. Alors, voilà. Je vais nous amener au point 7.3. Donc, attribution du poste de col bleu classe 2 au service des travaux publics à M. Vincent D. Thibault. Est-ce que c'est... Pinot. Non, pas Thibault, mais Pinot. Pardon, vous avez bien raison, Mme Sylvie. Monsieur Claude, peut-être? Allez-y, M. Claude. Le 14 juillet dernier, le poste de col bleu classe 2 a été affiché à l'interne, puisque celui-ci est devenu vacant à la suite de la promotion de l'ancien départemental. Deux candidats à l'interne ont postulé. Afin de s'assurer du respect pour l'attribution du poste, nous avons suivi les étapes définies à l'article 11.07 de la Convention collective. Un seul candidat occupe déjà la fonction de col bleu au service des travaux publics, et celui-ci a déjà été évalué à son embauche par une firme externe sur la conduite d'un camion porteur. Le poste revient donc à celui qui a le plus d'expérience et la plus grande ancienneté, soit Vincent D. Pinot. Nous recommandons donc l'attribution au poste de col bleu classe 2, poste annuel permanent à Vincent D. Pinot, en date du 18 août 2020. Merci, M. Claude. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires en dehors de cette embauche? Sinon, je vais prendre une proposition. Proposition, M. le maire. M. Gide, vous proposez et vous êtes appuyé par. J'appuie, M. Louvain. M. Richard, merci beaucoup. Ouais. En 7.4, embauche de M. Guy Pilote à titre d'entraîneur au camp de perfectionnement de hockey pour la saison 2020. M. Jonathan. Oui, donc nous avons commencé le camp de hockey ce matin, donc le camp de hockey de l'école de perfectionnement, ce qu'on appelle au niveau de la ville. Donc nous avons un entraîneur qu'on souhaite embaucher, donc M. Guy Pilote, pardonnez-moi. Monsieur Guy Pilote, donc, qui sera parmi notre équipe de bénévoles, donc, pour donner le camp de hockey à la ville, le camp d'entraînement. Donc, nous recommandons son embauche pour offrir une belle expérience à nos jeunes. C'est un, on va le supposer, c'est un projet qui est une embauche faite aux finances avec les inscriptions reçues, je présume, Monsieur Jonathan, en partie. Tout à fait. Dans le fond, le financement vient des inscriptions et par la suite, il y a une redistribution avec notre partenaire qui est Hockey Valley, donc c'est un bon moyen de financement pour eux. Donc, c'était une des façons qu'on trouve de financer nos organismes. Il y a beaucoup de mesures de financement qui sont en train de disparaître de la COVID, donc c'est une belle façon de redonner à l'implication de nos bénévoles au niveau de l'Arena d'Amkoui. Donc, le camp s'est amorcé aujourd'hui même. Oui. Et c'est pour la semaine? Jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi. Et puis, on comprend dans ce cas-là que l'aréna était prête à accueillir déjà un camp de hockey, puis que les activités reprennent graduellement de ce côté-là également. Oui. Merci de la précision, M. Jonathan. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires en regard de cette embauche? Sinon, je prends une proposition. Je propose. Monsieur Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par. Si pas trop tard, je vais te le faire. Je vais l'appuyer. OK. Madame Sylvie, merci beaucoup. En 7.5, offre de service de Morneau Chapelle, programme de cadenassage et formation aux employés. Donc, est-ce que ce sera du côté de. Monsieur Claude? Oui. Oui, allez-y, oui. Monsieur. Je vais vous présenter ça. L'état de la situation. La Ville d'Amkoui a l'obligation d'implanter un programme de cadenassage et de former les employés travaillant avec des équipements et machinerie à cadenasser. Le cadenassage est une méthode de protection qui permet d'éliminer les risques d'accident et en neutralisant les sources d'énergie susceptibles de contribuer à la remise en marche d'un équipement sur lequel les travaux sont effectués. Donc, les objectifs visés sont comprendre l'importance du cadenassage en lieu de travail, savoir identifier les risques liés aux différentes sources d'énergie, se familiariser avec les éléments et les outils à mettre en place relativement la gestion du cadenassage et connaître et comprendre les étapes du processus. L'offre de service de Marneau Chapelle, mutuelle de prévention SST à la Ville d'Amkoui, est la suivante. Mise en place du programme, 9 jours, 10 125 plus les taxes, et formation, une journée pour deux groupes, 1 520 plus les taxes. La gestion du projet va se faire à l'automne 2020. Il est recommandé que l'autorise Mme Marie-Pierre Morin, responsable des ressources humaines, assignée pour et au nom de la Ville, pour l'octroi du contrat à Morneau-Chapelle pour l'implantation du programme.
Merci, M. Claude. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires en regard de ce contrat-là? En tout cas, je te laisse. Là, mais je donc, on comprend qu'on c'est un dossier constant, la sécurité, autant pour les employés qui sont intervenir, s'assurer que les lieux sont sécuritaires lorsqu'on a affaire à des interventions. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chance à prendre avec ces opérations-là qu'on a assurées, on a réalisées chez nous pour assurer la sécurité de nos employés. Alors, si vous permettez, justement, oui. M. le maire, si vous permettez, quand je suis arrivée à la ville en 2017, en ayant le dossier des ressources humaines, c'est un dossier où est-ce qu'on avait justement discuté, puis je suis heureuse de voir l'aboutissement de ce dossier-là en 2020. Fait que, si vous permettez, j'en fais la proposition. Vous en faites la proposition, Mme Sylvie, et vous êtes appuyée par... Monsieur Richard, merci. Alors, en 7.6, offre de service, toujours pour, par le même groupe, Morneau-Chapelle, implantation d'un programme Sigmund et SIMDUT et formation aux employés. Mon intitulé est bon? Oui, c'est bien ça. SIMDUT, je pensais que c'était SIDMUT. Je m'excuse. Alors, voilà. SIMDUD. Alors, je vous laisse la parole, M. Claude. La Ville d'Amcou a l'obligation d'implanter un programme SIMDUT, système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail, et de former les employés susceptibles d'utiliser ces produits. La Ville d'Amcou tient actuellement le registre des produits SIMDUT. La Ville a dispensé en 2013, mais en 2015, le programme a changé. Donc, de plus, la Ville a l'obligation de former ses employés régulièrement. La formation de ces deux permet aux employés de connaître la nature des dangers présents dans le lieu du travail et les mesures de contrôle à prendre à cet égard. Au Canada, la législation actuelle en matière de santé et sécurité exige que les travailleurs soient informés des risques qu'ils peuvent courir dans le cadre de leur emploi. Les objectifs de cette formation sont identifier et reconnaître les principaux risques associés à l'usage de matières dangereuses utilisées au travail, se familiariser avec les étiquettes, pictogrammes et les classes et catégories de danger, savoir interpréter les renseignements que contiennent les fiches de données de sécurité et savoir reconnaître les mesures de prévention qui permettent de prévenir les accidents et les maladies. Donc, le service de Morneau-Chapelle, mutuelle de prévention SST à la ville de Namco, est la suivante. Mise en place du programme deux journées, 2250 plus taxes, une formation, une journée pour deux groupes, 760. Donc, il est à noter que la présente offre constitue une estimation des coûts pour l'implantation du programme. Il est recommandé, l'autorité Mme Marie-Pierre Morin, responsable des ressources humaines, a signé pour et au nom de la Ville l'octroi du contrat à Morneau-Chapelle pour l'implantation du programme SIMDUT et à la formation. Merci, M. Claude. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires en regard de cette offre de service-là? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais proposer, M. le maire. M. Normand, vous proposez et vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. On ira au point 8, travaux publics et hygiène du milieu. Donc, en 8.1, offre de services de l'entreprise Permaligne pour le lignage des rues et des rangs pour acceptation. M. Claude? Si vous voulez. Oh, M. Vincent? Ah, ben non, mais je vous laisse... Monsieur Claude ou Monsieur Vincent? Je peux y aller, en fait. Là, c'est d'accepter l'offre de service de l'entreprise Permaligne, là, qui porte le numéro d'entreprise 92-22-50-93 Québec Inc. au montant de 5393 plus taxes. C'est pour le lignage des rues et des rangs, puis d'une partie de la piste cyclable là, de la ville. Merci, Monsieur Vincent. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires en regard de ce... offre de service-là. Sinon, je vais prendre une proposition. Propose, M. le maire. M. Gilles, vous proposez et vous êtes appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Richard, merci. En 8.2, appel d'offres numéro 2020-07 pour l'acquisition d'un camion Giro avec équipement de déneigement, rejet des soumissions. M. Vincent. Oui, en fait, là, la Ville d'Amqui était partie en appel d'offres pour acquérir un camion 10 roues avec équipement déneigement en juillet dernier. On a reçu deux soumissions dans le cadre de cet appel d'offres-là.
soit celle de centre du camion JL Inc. au montant de 340 199,52 taxes incluses et de Carrefour du camion RDL au montant de 317 187,28 taxes incluses, considérant qu'il y a une clause de réserve dans les documents d'appel d'offres qui permet à la Ville de n'accepter aucune des soumissions reçues, considérant que la Ville d'Amqui constate que de permettre un empattement de 216 pouces maximum sur le camion demandé au devis dans les documents d'appel d'offres a entraîné des soumissions de camions beaucoup trop longs, non adaptés à nos opérations de déneigement en zone urbaine, où la largeur des rues est étroite et où l'espace pour se virer est restreint. Donc, je vous recommande d'appliquer la clause de réserve et de n'accepter aucune des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres 2020-007. Merci, M. Vincent. En fait, là, on sait qu'on va investir un peu plus de 300 000 $. On veut s'assurer qu'on a des équipements qui correspondent adéquatement aux besoins qui sont requis pour nos opérations de déneigement. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires, sinon je prendrai une proposition pour refuser. Propose, M. Hubert. Vous êtes prêt à proposer, M. Gilles, de refuser et vous êtes appuyé par? J'appuie, M. le maire. M. Richard, merci. 8.3, lancement d'appel d'offres public, acquisition d'un camion avec équipement de déneigement. Bien, vous voyez, on était dans une deuxième séquence. Alors, puisqu'on a rejeté les soumissions reçues, on doit repartir en lancement d'appel d'offres. Monsieur Vincent? Oui, c'est bien ça, Monsieur le maire. En fait, là, considérant que vous venez tout juste de rejeter là, toutes les soumissions reçues, considérant que la Ville a besoin d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement, ben, je vous recommande de lancer un nouvel appel d'offres, mais avec des exigences modifiées. Merci, M. Vincent. Donc, on est dans le même dossier. C'est une proposition dans ce cadre. Propose, M. le maire. M. Gilles, vous proposez et vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. On serait au point 9 en urbanisme, donc en 9.1, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 14 juillet dernier. Donc, c'est pour dépôt seulement. En 9.2, règlement numéro 865-20 modifiant le plan d'urbanisme, qui lui est le règlement numéro 611-05 pour adoption. Est-ce que M. Bruno ou M. Vincent, à votre discrétion, c'est des projets qui ont été présentés à des séances précédentes? Alors, oui, bien c'est ça, là, M. le maire, on est rendu à l'adoption de ce règlement-là, considérant là, que la, en vertu de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai dernier, vous avez invité la population à transmettre par écrit les commentaires sur le projet de règlement en remplacement d'une consultation publique. Et il n'y a aucun commentaire qui a été reçu. L'avis de motion avait été fait lors du 15 juin dernier à la séance du Conseil. Donc, je vous recommande là, ce soir d'adopter le règlement numéro 865-20, ce qui fait en sorte là, que les plans d'affectation aux échelles 1/4 millième et 1/20 millième du plan d'urbanisme sont modifiés par l'agrandissement d'une affectation commerciale centrale à même le presbytère, situé sur la rue du Pont, faisant actuellement partie d'une affectation publique. Puis, dans le fond, les croquis là, sont disponibles là, dans le règlement qui est encore là, sur le site Internet. Le projet de règlement est encore disponible sur le site Internet de la Ville d'Amqui. Merci pour ces informations, M. Vincent. Donc, s'il n'y a pas de questions, commentaires, j'aurais besoin d'une proposition. Enfin, Madame Sarah, vous proposez et vous êtes appuyée par… Je vais l'appuyer, moi. Madame Sylvie, merci. On ira au point 9.3, règlement numéro 866-20, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 pour adoption toujours. M. Vincent? Oui, en fait, là, c'est en lien avec la modification apportée au plan d'urbanisme, mais cette fois-ci dans le règlement de zonage. Donc, pour en assurer la concordance, ce règlement-là, la particularité, c'est qu'il était assujetti aux personnes habiles à voter. Donc, il y avait une étape supplémentaire. Il n'y a aucune personne qui a fait la demande
pour l'assujettir, tenir un registre, donc pour s'y opposer ou quoi que ce soit d'autre. Donc, à ce moment-là, je vous recommande d'aller de l'avant dans l'adoption de ce règlement numéro 866-20. Qui, lui, là, principalement consiste à ajouter, là, agrandir la zone 131CC à même le presbytère de la rue du Pont, actuellement situé dans la zone 119P. Ajouter la fête nationale du Québec et la fête du Canada comme usage et construction temporaire permis dans les zones à dominance haute que résidentielle. Et insérer une disposition exigeant qu'un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à 1,2 m soit conçu ou approuvé par un ingénieur. Et finalement, autoriser les blocs de béton non architecturaux comme matériaux de mur de soutènement. Donc, voilà. Bien, est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. J'en fais une proposition, M. le maire. M. Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par... Appuyé, M. le maire. M. Normand, merci. Je vais aller au point 9.4, règlement numéro 869-20, modifiant le règlement de zonage 613-05, donc adoption du second projet de règlement. Monsieur Vincent. Oui, à la dernière séance, vous avez amorcé un processus de modification au plan d'urbanisme et au règlement de zonage pour permettre la localisation de l'écocentre. Donc, dans une zone qui ne le permet pas présentement, la zone 315 IB. À ce moment-là, le règlement de zonage est assujetti il y a des dispositions qui sont assujetties à l'approbation des personnes habiles à voter. Donc, pour ces raisons-là, il faut permettre, là, dans le fond, aux personnes habiles à voter de se prononcer sur la tenue d'un registre ou non. On a invité la population à transmettre par écrit ses commentaires sur le projet de règlement. On n'a eu aucun commentaire. Là, ce soir, il faut justement permettre de l'assujettir à une demande de personne habile à voter à distance plutôt qu'en personne. Puis aussi, il faut adopter le second projet de règlement. Mais le second projet de règlement, il n'y a aucune différence entre le premier projet qui avait été déposé lors de la dernière séance. L'objet porté du règlement, là, c'est d'autoriser les usages concernant la récupération et le compostage dans la zone 315 IB, puis d'insérer au plan de zonage un tracé de rue d'approximativement 140 mètres connecté au chemin des étangs d'épuration aux fins de concordance au plan d'urbanisme. Donc, c'est vraiment pour permettre l'éco-centre dans cette zone-là de la ville. Très bien. Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Proposer, M. le maire. M. Normand, vous proposez et vous êtes appuyé par... L'appuyé. Mme Sarah. Merci beaucoup. On va aller en 9.5. Demande d'interrogation mineure pour le lot 365-765 du Canada du Québec, situé au 12 rue des Ateliers. M. Bruno. Oui, le demandeur, qui est M. Jean Gosselin, a déposé une demande de dérogation mineure concernant sa propriété située aux 12 rue des Ateliers. La demande concerne l'aménagement d'une entrée charretière d'une largeur de 22 mètres, alors que l'article 10.2.5 du règlement de zonage 113-05 prévoit une largeur maximale de 11 mètres pour un accès à la propriété en milieu urbain. Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser l'aménagement d'une entrée charretière dont la largeur excède la largeur maximale permise par la réglementation vigueur. Merci, M. Bruno. Et peut-être rappeler qu'à la séance de juillet, moi je ne me trompe, on a également accepté des types de dérogations mineures de ce type-là, sachant qu'éventuellement ce secteur-là sera paré. Alors, il fallait agir pour régulariser certaines situations, puis s'assurer qu'on est capable de paver la rue industrielle et les ateliers. Alors voilà, cela étant, Mme Sarah, vous avez participé aux délibérations du CCU à ce moment-là, ou peut-être étiez-vous absent, mais vous êtes au fait du dossier. Alors, non, j'étais présente oui. J'étais pas tout à fait en vacances. Alors, ça a été des discussions que vous avez tenues du côté du CCU. Vous êtes Oui. Okay. Je suis très à l'aise à venir faire la proposition.
Vous en faites la proposition, Mme Sarah, et vous êtes appuyé par... Merci, Michel. Merci. En point 9.6, demande de dérogation mineure pour le lot 364 puis 199 du Catalogue du Québec, situé au 19 rue des Mélèzes. M. Bruno. Oui, M. Mario Blanchette a déposé une demande de dérogation mineure dans le but de régulariser un agrandissement qui a été réalisé en 2007. Avec permis. Toutefois, lors de la construction, il s'est introduit une petite erreur de localisation. L'agrandissement est situé à 7,63 mètres de la limite arrière, donc un empiètement de 0,37 mètres à l'intérieur de la marge de recul arrière, alors que le règlement zonage 113-05 prévoit une marge de recul de 8 mètres pour la zone 265 HA. Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser l'empiètement de 0,37 mètres dans la marge de recul arrière. Questions, commentaires ou Mme Sarah de votre côté? Non, je vais en faire la proposition. C'est un dossier facile à régler. Oui, on en a des plus complexes que celui-là. D'accord. Je partage votre point de vue. Alors, vous en faites la proposition, Mme Sarah, et vous êtes appuyé par... Oui. Je l'appuie, M. le maire. M. Normand, merci. Donc, on irait au point 9.7. Projet assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05 pour le lot 365-666 du Catalogue du Québec, situé au 209 boulevard Saint-Benoît-Ouest, un projet d'aménagement d'une partie de la cour avant. Alors, c'est un terrain qu'on connaît, ça, M. Bruno. Oui, c'est un terrain qu'on connaît. C'est un terrain qui est à la proximité... de la borne de charge et de l'enseigne qu'on a là, du village relais. Les travaux visent à améliorer une section du terrain ainsi que l'aspect visuel en retravaillant les aménagements paysagers de chaque côté du panneau, en enlevant les arbustes morts et en ajoutant de nouveaux arbustes, dont un pommetier décoratif, et qu'une partie de la bordure de béton du côté du stationnement sera sciée afin que les personnes à mobilité réduite puissent consulter le panneau du village relais. Étant donné que c'est dans le cadre d'aménagement de la cour avant, le projet est assujetti au règlement sur le PIA 617-05. Après analyse et consultation, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 14 juillet 2020 à la ville d'Amqui. Merci, M. Bruno. Il y a aussi un sujet que vous avez abordé, Mme Sarah. Oui. Tout le monde était d'accord pour améliorer l'aspect visuel des lieux. Maintenant que notre train n'est plus dans le paysage de la ville. Voilà, la dernière séance n'était pas chose faite. Maintenant, c'est chose faite. Alors, le défi maintenant, c'est de travailler sur un projet d'aménagement de la place de la gare qui va se faire, évidemment, dans la mesure où le wagon Linwood, peu importe ce qu'on en pense, mais peut-être une occasion de rappeler là, qu'il y avait une volonté d'en avoir une stratégie de restauration. Alors, c'est la patience que le conseil actuel a eu. Juste une petite parenthèse par rapport au wagon. Alors, voilà. Cela étant, on va travailler sur le réaménagement de ces espaces-là. Vous en faites la proposition, Mme Sarah? Oui, effectivement. Et vous êtes appuyée par? Oui, Mme Sylvie. Je vais l'appuyer, moi. Mme Sylvie? Merci. On se rend au 9.8. Demande d'autorisation à la CPTAQ de M. Martin Malenfant pour le lot 413-830 du Catalogue du Québec. Donc, on a une demande qui est faite à la Ville d'Amqui. M. Bruno. Oui. M. Malenfant désire obtenir l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin de créer une rue privée conforme à la réglementation municipale et de permettre la construction de 6 résidences saisonnières. La superficie qui est ciblée par cette demande d'autorisation correspond à 0,95 hectares. Considérant que le projet du demandeur n'aura pas d'effet sur l'homogénéité de la communauté agricole, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'appuyer la demande d'autorisation de la CPTAQ de M. Martin Malenfant. Merci, M. Bruno, avant de céder la parole à Mme Sarah. Je pense que dans le mandat précédent, alors que je siégeais au CCU, c'est un dossier qui avait été abordé, donc c'est un dossier qui date. Et c'est un projet, dans la mesure où la CPTAQ donnerait son accord, qui permettrait là, la construction de 6 résidences. Alors, ça, c'est la suite des choses, mais il y a un intérêt, là, certainement, de la Ville à appuyer ce projet.
Voilà, j'ai peut-être ouvert la porte, Mme Farah, mais je voulais... Oui, ben, je suis complètement d'accord avec vous. C'est un beau projet. Si, si la, la CPTAQ peut nous écouter ou donner une chance à ce développement-là de se faire dans la ville d'Amqui, je pense que ça serait bien pour nous. Alors, vous en faites la proposition, Mme Sarah, oui. D'appuyer la demande de M. Martin Manenfant? Oui. Et vous êtes appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Richard, merci beaucoup. On irait au point 9.9, encore une fois, une demande d'autorisation à la CPTAQ, dans ce cas-ci pour l'entreprise Copeau de la Vallée, pour le lot 3413-807 du Catastre du Québec. Alors, à nouveau, on nous demande l'appui de la ville d'Amqui. M. Bruno. Oui. Monsieur Claude Ouellet, représentant de l'entreprise, désire obtenir une servitude publiée pour l'utilisation d'un chemin d'accès situé sur le lot 3413-807 du Canada du Québec, appartenant à Semibel Inc. Le demandeur doit préalablement obtenir l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour cette utilisation à des fins autres que l'agriculture. Considérant que l'entreprise utilise ce chemin d'accès depuis plusieurs années et que le propriétaire est en accord, considérant que le projet du demandant n'aura pas d'effet sur l'homogénéité de la communauté agricole, le service d'urbanisme recommande au conseil municipal d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, représentée bon, de M. Claude Ouellet, qui représente l'entreprise là, citée plus haut. Merci, M. Pounault. Des questions, des commentaires? Non? Mme Sparra, c'est un sujet abordé également, c'est sûr? Oui, c'est la deuxième fois qu'ils sont présentés au CCU. Donc, je pense qu'on va encore appuyer leur demande. Vous en faites la proposition, Mme Sparra? Oui, j'en fais la proposition. Vous êtes appuyé par? Vous êtes appuyé, M. le maire. Oui, M. Hégette, j'ai vu votre visuel. Puis, en tout respect, M. Normand, je vais accorder le droit du visuel à M. Hégette dans ce cas-ci. Bien correct. Appuyez par M. Hégette. On irait au point 10, dans le développement économique durable. Merci pour ces présentations-là, M. Bruno. Donc, au point 10, développement économique durable. 10.1, reconstruction. Alors, tous les points sont en lien avec la passerelle J-Napoléon-Pérusse, mais le premier, reconstruction de la passerelle J-Napoléon-Pérusse, dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide aux infrastructures de transport actif, donc appelé programme VELOS 3 du ministère du Transport du Québec pour autorisation. Monsieur Claude. Dans un premier temps, les plans de vie sont maintenant complétés par la firme Innovation Amérique, ainsi que l'accompagnement pour le dépôt des demandes d'autorisation auprès des ministères par la firme Activa Environnement. Nous sommes donc en mesure de déposer des projets dans différents programmes qui pourront contribuer au financement de la nouvelle passerelle. Effectivement, la première demande, c'est vraiment dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 du ministère du Transport du Québec. Il est possible de déposer dans le volet 2, amélioration des infrastructures de transport actif pour une aide financière de 50 % des coûts admissibles. Le projet est également admissible à une subvention de 35 000 $ auprès de l'AMRC dans le cadre du Fonds Région et Ruralité de FFR. Et enfin, il est aussi possible de déposer le projet auprès du ministère des Affaires municipales et d'habitation dans le cadre du programme Infrastructure de municipalité Amis des aînés, Primada, pour une aide financière de 50 % des coûts jusqu'à un maximum de 100 000. Donc, la recommandation, c'est d'adopter trois résolutions différentes pour permettre à Guillaume Piel, le directeur du service de développement économique et durable, a présenté les demandes d'aide financière. Merci, M. Claude. Alors, la réflexion de la passerelle du Napoléon-Pérusse, ça fait quelques années qu'on en parle. On est interpellé par des citoyens. Alors, on a un beau projet, une belle opportunité d'aller chercher des aides gouvernementales pour limiter l'impact sur le compte de la PAC, parce qu'on estime là, que c'est un projet qui pourrait avoisiner les 750 000 $, mais qui pourrait être financé. Là, on travaille pour aller chercher du financement jusqu'à 80 % de cet espace budgétaire-là prévu. Alors, c'est une belle nouvelle. On espère que
on aura des réponses positives, mais voilà qu'on avance dans ce dossier-là. Donc, c'est la première fois, en tout cas depuis un certain temps, là, on cherchait une façon là d'éviter d'assumer l'entièreté de la charge aux frais des citoyens. Alors, on a une opportunité d'aller chercher des aides gouvernementales. Alors, voilà qui est intéressant. Donc, merci, M. Claude, et on comprendra que vous avez fait la présentation pour les points 10.1, 10.2 et 10.3. Donc, on va travailler, si les gens sont à l'aise, pour faire d'abord une proposition en 10.1. À moins qu'il y ait d'autres questions, commentaires des élus, là, je vais y aller systématiquement pour avoir trois propositions. Alors, s'il n'y a pas de commentaires ou de questions à regard de ce projet-là, je vais prendre une proposition pour déposer au programme, selon ce qu'indique 10.1, donc au programme VELOS 3, et d'autoriser M. Viel à signer les documents requis. Alors, est-ce que j'ai une première proposition dans ce cadre-là? Je vais le proposer, moi. Je vais aller aussi avec le titulaire Richard. M. Richard va proposer, appuyé par Mme Sylvie, si vous êtes. On pourrait inverser pour le second, si vous le souhaitez. Donc, le deuxième est toujours dans le cadre de la reconstruction de la passerelle, mais dans ce cas-ci, adresser une demande au fond des régions et des localités de la MRC. Si vous êtes d'accord, je vais prendre une proposition spécifique. Propose, M. le maire. Oui, vous proposez, M. Gilles, et je vais prendre une appui. Mme Sarah pour un appui. Et une troisième demande à déposer dans ce cas-ci à la Programme d'infrastructure municipalité Amie des aînés, plus couramment appelé PRIMADA. Donc, une troisième demande est autoriser le directeur du service de développement économique, M. Guillaume, à faire les démarches requises et autoriser à déposer. Je vais prendre une proposition pour cette fois. Oui, j'ai vu Mme Sylvie lever la main. Je ne sais pas si elle est d'accord pour inverser, Mme, M. Richard. Donc, proposé par Mme Sylvie, appuyé par M. Richard. Très d'accord. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Ouais, ça va bien, ça va bien. Capable. Jusqu'à date, personne qui a quitté la rencontre. Alors, merci. Alors, voilà un beau projet là, qui est dans le cadre du plan triennal d'investissement, mais c'est toujours plus facile ou plus stimulant de réaliser des projets lorsqu'on a l'appui de nos gouvernements. Je nous amènerai en 11.1, appel d'offres sur invitation, acquisition d'un module pour le skatepark. Monsieur Jonathan, on avait travaillé avec des jeunes du primaire l'an passé, on était interprété par des parents, donc malgré la COVID, là, on pose des gestes pour améliorer cet environnement-là. Je vous laisse la parole, Monsieur Jonathan. Oui, donc très content de vous présenter ce point-là aujourd'hui, en cette soirée en fait. Dans le cadre de la politique familiale municipale que nous avons faite, lors de la consultation, on avait entre autres d'améliorer et de consolider les infrastructures de loisirs. En dessous, sous cet onglet-là, on avait entre autres d'améliorer le skatepark à la suite d'une consultation auprès des jeunes directement, d'où une des raisons pourquoi on a rencontré les jeunes au primaire et en sous-groupe par la suite, on a rencontré les utilisateurs. Donc, avec cette prémisse, dans le fond, les jeunes ont réussi à choisir deux modules qu'on n'a pas dans la région nécessairement. Donc, dans les autres skateparks qu'on a autour dans le Bas-Saint-Laurent et même dans la Gaspésie. Suite à ce choix-là, on est parti en appel d'offres sur invitation et nous avons reçu une soumission conforme de Kangaroo Playground Limité pour un montant de 25 754,40 $. Sans la livraison. Donc, nous recommandons au conseil municipal l'adjudication du contrat à Kangaroo Playground Limited pour le montant mentionné à taxe incluse. Donc, pour l'acquisition des modules de skatepark que les jeunes ont choisi. Okay. Il nous restera certainement d'autres aménagements à faire, mais je comprends là, que les utilisateurs, les jeunes ont été impliqués là, dans les équipements là, qu'on souhaite acquérir actuellement. C'est bien cela, M. Jonathan? Oui, tout à fait. Excellent, bravo. Je pense que il restera probablement des choses à acquérir, mais à tout le moins de poser un geste dans le cadre de la politique familiale. On avait aussi, il faut se souvenir, l'an passé, en juin 2019, je me trompe, on était la ville la plus active au Québec. On aurait souhaité être la plus active au Canada, donc on avait obtenu une bourse de 20 000 $. Elle ne sera pas nécessairement affectée à cet élément-là en particulier, mais quand même, il faut savoir que on va l'investir dans des acquisitions d'équipements pour faciliter la pratique des activités sportives chez nous
Alors, cela étant, ben bravo, Monsieur Jonathan. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires de la part des élus? Sinon, je vais prendre une autre proposition. Monsieur Michel, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par. J'appuie, Monsieur le maire. J'avais vu, là, je vais aller avec le visuel de Mme Sarah qui montait sa main en même temps que. Oui, j'allais ouvrir mon micro pour appuyer les modules. Vous acceptez l'appui, Monsieur. Monsieur Jean-Jean. Bon, il devrait revenir. Première réflexion. Sérieusement. Voilà, donc, proposé par M. Michel, appuyé par Mme Sarah. Ça va? On ira en 11.2, en appel d'offres sur invitation du côté des loisirs, toujours acquisition et installation d'un déshumidificateur pour le curling. Monsieur Jonathan. Oui, donc au niveau du curling, nous avons présentement deux déshumidificateurs qui datent de la construction du bâtiment. Donc, ils sont en bout d'âge, donc ils consomment plus d'électricité, ils rejettent beaucoup d'énergie dans l'enceinte. Donc, aux études, on a fixé notre choix sur un déshumidificateur à roue d'essiant. Nous avons parti en appel d'offres sur invitation pour l'acquisition de un pour le remplacement des deux. Nous avons reçu la soumission de Descartec pour un montant de 28 473,36 $, taxes incluses. Et nous recommandons au conseil municipal l'adjudication de ce contrat à la firme Descartec. Incorporé. Est-ce qu'on peut mentionner, M. Jonathan, que ça va être l'acquisition et l'installation, à moins que… Oui, c'est l'installation est incluse dans le branchement pour le contrôle aussi qui est inclus avec dans ça. Donc, ça va être contrôlé avec le système qu'on a déjà en place. Alors, c'est un système clé en main. Acquisition et installation dans l'offre qu'on reçoit. Donc, on est dans un montant qui est à l'intérieur des estimations budgétaires qu'on avait, M. Jonathan. Oui, c'est dans le fond, c'est selon nos estimés qu'on avait et on a, dans le fond, c'est légèrement supérieur à ce qu'on avait au budget, mais dans le fond, on a de l'espace compte tenu qu'on a repoussé la rénovation complète. Là. Okay. Donc, pour cette année, on commence avec les déshumidificateurs et d'autres étapes s'enchaîneront éventuellement. Peut-être, je ne suis pas sûr qu'on ait l'occasion de revenir, d'aborder le sujet en séance publique, à moins que je ne me trompe, là, vous me reprendrez, mais on travaille depuis un an avec le club de curling là, pour… procéder à la réfection du curling, mais on ne le fera pas à n'importe quel prix. Alors, quand on a avancé dans ce projet-là, on s'est aperçu à un moment donné que les sommes étaient beaucoup trop grandes. Et en collaboration et avec la complicité du club de curling, on a décidé de travailler sur un projet beaucoup plus modeste, mais qui va permettre de maintenir la pratique du curling du côté d'Amqui, mais sans avoir un impact substantiel du côté des contribuables d'Amqui. Alors, une petite occasion de faire un petit rappel là, sur la sagesse, je dirais, du conseil municipal et la complicité du club de curling pour permettre la poursuite de la pratique du curling à Amqui, mais dans des capacités d'investir là, qui représentent capacité de payer de nos citoyens. Alors, même si on avait des aides gouvernementales, on embarquait dans un programme qui était beaucoup trop dispendieux pour qu'on puisse y donner suite. Alors, on a pris une autre voie, puis je pense que c'est à la satisfaction également. Des gens qui pratiquent le curling du côté de la vallée. Je dirais Amqui, mais on comprend que c'est le club de curling qui s'adresse à l'ensemble de la population métropolitaine. Alors, merci de la présentation, M. Jonathan. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires de la part des élus? Juste un petit commentaire, moi, M. le maire. Vous dites que ça fait un an, mais je pense que ça fait au-dessus de 2 ans qu'on travaille le dossier avec justement les membres du club de curling, qu'on a revu, et je suis très satisfaite de ce. Qu'est-ce qui nous est présenté ce soir? D'accord. Fait que j'en suis assez satisfaite pour en faire la proposition, si vous permettez. Merci, Mme Sylvie. Vous avez raison. Oui, j'aurais pu reculer même plus que 2 ans. Alors, vous en faites la proposition, Mme Sylvie, et vous êtes appuyée par. J'appuie. Monsieur Michel, merci. Alors, bravo pour les avancées dans ce dossier-là, Monsieur Jonathan. On irait au point, au point 12, dont les commandites, on n'a pas de dossier particulier ce soir. En point 13, représentation, congrès et formation. Vous comprendrez qu'avec la COVID, on ne va pas très loin. C'est correct. Je nous amènerai au point 14 à ce moment-ci. Donc, deux sujets en avers nouvelles, comme nous en a fait part M. Vincent. Donc, en 14.1, mandat à la firme d'avocat BSL Inc. pour le dossier des équipements de déneigement du camion
un 10 roues qu'on a acheté il y a un certain temps. Déjà, M. Vincent, je vous céderai la parole. Oui, effectivement, là, c'est concernant les équipements déneigement sur le camion 10 roues acheté en décembre 2018 auprès de Centre du camion JL Inc. Dans le cadre d'un appel d'offres public. Là, on a des problèmes depuis un certain temps avec les équipements de déneigement. Donc, dans le cadre de ce dossier litigieux-là, je vous recommande de mandater là, la firme Avocat BSL Inc., là, en la personne de Maître Philippe Thibault, pour représenter la ville d'Amqui dans le litige. Donc, voilà. Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Sinon, oui, M. Égide, vous voulez en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Égide. Donc, vous proposez, vous êtes appuyé par. L'appui, M. le maire. M. Normand, merci. 14.2, donc, on est en affaires nouvelles, mais dans le fond, on aurait pu l'avoir à l'intérieur des travaux publics, mais comme on est dans séance mensuelle, il faut procéder ce soir. Le versement d'un paiement là, à notre entrepreneur, M. Richard Mador, donc l'intitulé reconstruction du garage municipal. Certificat de paiement numéro 2 pour les constructions, Richard Mador, donc acceptation. Oui, en fait, là, c'est ça, il est arrivé tardivement vendredi là, en raison des vacances de certaines personnes là, au niveau des professionnels qui doivent valider les certificats, les demandes de paiement de l'entrepreneur. Donc, c'est pour ça qu'il est arrivé un peu tardivement. Mais bon, il est là. Donc, c'est pour confirmer là, le montant de 402 217 et 18 taxes incluses à être versées à les constructions Régent Mador. C'est principalement, là, ce montant-là, c'est pour les pieux, principalement là, pour cette demande-là. Ça inclut aussi deux demandes de changement qui avaient été autorisées au préalable par M. Stéphane Chiasson, qui est directeur des travaux publics. Là. Au niveau mécanique, ça représentait 1011 et 62 avant-taxes, puis au niveau civil, 1447 et 25 avant-taxes. Donc, ce qui fait le grand total pour ce mois-ci, là, pour le mois dernier, en fait, là, jusqu'au 26 juillet 2020. Pour un total de, M. Vincent, voulez-vous le rappeler? Oui, 402 217 et 18 taxes incluses. Taxes incluses, voilà. Question, commentaire, sinon je vais prendre une proposition. M. Gide. En fait, la proposition, M. le maire. Vous êtes prêt à faire la proposition et vous êtes appuyé par? J'appuie, M. le maire. M. Richard, merci. la reconstruction du garage municipal va quand même bon train. Donc, les derniers temps, c'était vraiment de travailler ce qu'on appelle le sous-sol. Vous vous souvenez, on a fait le choix de maintenir la reconstruction du garage à l'endroit en le devançant, en le rapprochant de la rue, l'avenue du Parc, mais on s'est assuré de faire des assises solides, ce qui suppose l'installation de pieux pour aller chercher le roc afin d'avoir une fondation. Puis un solage là, sur lequel on n'aura pas à douter de son affaissement pour les prochaines années. Donc, c'est la première démarche. Vous devriez voir au cours des prochaines semaines bien, monter de la structure là, des murs et de la toiture. Donc, le projet avance de façon correcte au niveau des créanciers pour un livrable prévu le 1er décembre 2020. Alors, merci aux proposeurs et à l'appuyeur. Est-ce qu'on a, on serait au point 15, donc la période de commentaires ou de questions des élus. Je ne sais pas s'il y a mes collègues qui veulent s'adresser à la population en cette séance du 17 août. Et moi, j'aimerais peut-être mentionner notre prochaine séance, M. le maire, c'est le 21 septembre, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, à ce moment-là, nos jeunes étudiants, nos enseignants et tout le personnel d'éducation sera au travail, là, définitivement. Alors, c'est sûr que ce sera une année... Bon, c'est sûr, c'est un peu spécial avec la COVID, mais je pense que tout peut se mettre en place pour que ce soit une rentrée respectée, respectable, avec des recommandations du ministère de la Santé. Alors, moi, je souhaite à tout le personnel enseignant, les étudiants de
de tout âge, à partir de la maternelle jusqu'au cégep et université. Une belle entrée scolaire. Alors, c'est ça. Et puis, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler aussi éventuellement. Alors, bonne année à tout le monde du domaine scolaire. Merci. Ça fait raison de souligner cette rentrée-là particulière. Je suis convaincu que moi et mes collègues se joignent à vous, M. Richard. Là. Je souhaite une bonne rentrée aux élèves et aux parents aussi, avec les inquiétudes que la COVID suppose. Puis une bonne rentrée également à nos deux collègues là, qui œuvrent dans le domaine d'éducation, donc Sarah, du côté de l'école Henri Saint-Anne, Normand, qui est encore là pour le conduire les jeunes encore cette année, je présume bien. Alors, une bonne rentrée à vous deux également, Sarah, Mme Sarah et M. Merci. Donc, merci pour ce coup de chapeau, monsieur Richard. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui voudraient s'adresser à nos citoyens et citoyennes? Voilà, j'aurais peut-être une question, monsieur le maire, moi, à monsieur Bruno. Oui. Il y a des citoyens qui m'ont intercepté pour m'informer qu'il y avait des personnes qui vendaient des petits fruits qui n'étaient pas nécessairement d'ici d'Amqui. Est-ce qu'il y avait besoin d'un permis pour ça ou c'était permis? Oui, il y avait besoin d'un permis colportage. Ça a été fait en bonne et due forme. Tout a été fait selon les règles. Vente itinérante, hein, M. Bruno, c'est ça? Oui. Vente itinérante? La vente itinérante, oui. On n'a pas de contrôle en livrance du permis sur la provenance des produits vendus. Non. C'est parce que l'année passée ou l'année d'avant, on avait un producteur qu'il a fallu qu'il chicane presque avec la ville pour avoir une place pour s'installer. Tandis que lui, l'itinérant, il peut s'installer un peu n'importe où. Ouais, on a changé la réglementation, on a modifié la réglementation pour faciliter aussi nos producteurs locaux, si on veut, là, de faire de la vente comme ça, itinérant. C'est sûr que ça facilite également pour ceux qui viennent de l'extérieur, qui veulent s'implanter pour profiter de la population, de vendre des produits à la population. Mais c'est la loi du marché. Monsieur Bruno, c'est pas n'importe où. Là. Les gens ne peuvent pas arriver et décider. Donc, il y a quand même des zones qui sont déjà des secteurs commerciaux. Là. Oui, mais on a ouvert quand même assez grand, là, c'est ça, surtout dans le périmètre urbain, dans les zones commerciales. Pour permettre justement les difficultés qu'on avait eues dans le passé là, pour pas que ça se reproduise. Mais oui, c'est pas n'importe où. Alors, on a ouvert, mais on a ouvert aussi à des ventes de produits externes à la région. Est-ce que ça répond à votre préoccupation, M. Égile? Oui. Merci beaucoup, M. Bruno. Oui. Autre question, commentaire de la part des élus? Moi, je voulais juste émettre le commentaire. Moi, je me dis c'est important quand même de souligner comment les gens prennent au sérieux le coronavirus à l'effet de se protéger et protéger les autres. Le port du masque est très respecté. En tout cas, moi, quand je vais dans les commerces ici à Amqui, les gens ont toujours leur masque. Et même, ça en est presque comique des fois, parce que quand on débarque de l'auto, on vient pour rentrer, puis là, hop, on voit les gens retourner, puis là, les gens nous regardent. Toi aussi, tu l'as oublié, hein? Fait que c'est ça, je pense que les gens tournent ça en rigolade aussi et c'est quand même plaisant. Je pense que j'ai pas vu personne le faire d'une façon de mauvaise humeur. Fait que même avec toute la visite aussi qu'il y a eu, on est encore à la mi-août. Fait qu'il y a eu beaucoup, on voyait énormément de caravanes et de motorisés. Et on sait que notre taux là, de personnes atteintes n'a pas du tout augmenté. Ça fait que je veux féliciter quand même les gens justement du sérieux et on va continuer comme ça. Ça fait qu'on va avoir une bonne cote. Vous avez bien raison, Mme Sylvie, de transmettre une appréciation de la façon dont se comportent nos citoyennes et citoyennes. Je pense que ça mérite d'être mentionné. En regard du COVID, s'il n'y a pas d'autres interventions des élus, peut-être deux éléments pour ma part. La séance du 21 septembre, elle sera encore sous la forme qu'on la connaît actuellement. Donc, les élus ont pris position. Ça bouge graduellement au Québec. Évidemment, on va vivre la rentrée scolaire. On va voir comment tout ça se comporte. Quelle est l'évolution de cette pandémie-là.
Je vous avouerai, quand on regarde ce qui se passe dans un pays où on pensait que c'était sous contrôle, que ça avait peur, il va falloir qu'on continue d'être vigilant. Alors, le Conseil a convenu que, considérant qu'on n'avait pas été interpellé, qu'il y a une fréquentation de quelques citoyens, qu'ils ont la possibilité de nous transmettre leurs préoccupations par écrit ou de participer sous forme de conférence web, il a été convenu que la séance du 21 septembre sera également sous la forme actuelle. Toutefois, on se prépare, nous aussi, à accueillir nos citoyens et à moins qu'il y ait à nouveau un confinement, l'intention, c'est de permettre à nouveau la présence de citoyens pour la séance au mois d'octobre et on aura l'occasion de présenter les modalités dans ce cas-ci à notre séance du 21 septembre. Donc, on s'en vient progressivement, mais ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est qu'à la séance d'octobre, tous les élus et les gestionnaires concernés par la séance du Conseil puissent être présents à l'Hôtel de Ville et, évidemment, dans la mesure où on aura mis en place tout ce qu'il faut pour respecter les mesures de distanciation qu'on nous propose dans le cadre de ce pandémie. Alors, le processus ou la façon dont on tient nos séances actuellement, je pense qu'elle nous permet quand même, je n'ai pas d'inquiétude, je pense que mes collègues non plus, on n'a pas d'inquiétude quant à la qualité des décisions qu'on prend. Mais bien sûr, à un moment donné, il faut revenir. L'Hôtel de Ville, on le sait, c'est la maison des citoyens, des élus, mais il faut éventuellement penser à permettre à nouveau à nos citoyens de participer à nos séances publiques en se présentant à l'Hôtel de Ville. Donc, on est dans un scénario où on va permettre ça à partir de la séance du mois d'octobre. Donc, on pourra se rejoindre de ça le 21 septembre prochain. Donc, voilà pour l'élément COVID. Un autre petit message, une bonne nouvelle, je dirais, pour évidemment, toutes les activités, les sports d'équipe cet été, c'était plutôt ralenti, mais il y a quand même des belles choses qui se sont passées, dont celle de l'installation d'une clôture qui est en train de réaliser la commission scolaire sur le terrain de soccer. Je pense que M. Richard, je le vois hocher de la tête, là. C'est certainement une bonne nouvelle pour nos jeunes et nos parents qui nous avaient transmis des inquiétudes. Alors, c'est une excellente nouvelle. Les gens travaillent actuellement à la pause d'une clôture permanente entre le terrain de soccer qui borne sur la rue d'Auteuil. Alors, être remercié là, de la complicité, le travail de la commission scolaire des Monts-et-Marais dans ce cadre-là à procéder à la réalisation des travaux de l'été 2020. Donc, une bonne nouvelle pour nos joueurs, mais également pour les parents là, qui les accompagnaient, qui avaient des inquiétudes au niveau de l'enjeu de sécurité entre le terrain de soccer et la rue d'Auteuil. Alors, c'est là aussi, je pense, une bonne nouvelle pour la ville. Alors, voilà pour la période de commentaires des élus. Si, à moins qu'il y ait d'autres gens, d'autres collègues qui veulent s'exprimer, je nous amènerai au point 16, qui est la levée de la séance, pour laquelle je prendrai une proposition. Monsieur Égide, j'ai vu votre main levée. Peut-être qu'un autre frère comme vous élever la main pour appuyer. Alors, c'est fait. Alors, proposé par Monsieur Égide et appuyé par Monsieur Michel, je vous remercie de votre temps. Je vous remercie de nous écouter et de nous suivre du côté de la TVC. Et on se donne rendez-vous à nouveau pour une prochaine séance le 21 septembre prochain à 19h30. D'ici là, portez-vous bien. Bonne rentrée scolaire, puis continuez de respecter les consignes de distanciation des mesures d'hygiène qu'on nous propose. C'est de même qu'on va voir la lumière au bout du tunnel. Alors, au plaisir de vous retrouver le 21 septembre prochain. Bonsoir. Au plaisir. Bonsoir. Bye.